matin, nous voulons adorer notre Dieu. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus. Et ce matin, avec la jeunesse, avec les enfants, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le magnifier, nous voulons qu'il soit glorifié.
force est en Dieu. Nous voulons chanter ce chant, tu es ma force, Seigneur. Tu es mon espoir incomparable, Seigneur. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois, tu es ma force, Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Seigneur, tu es l'espoir, tu es l'esprit consolateur, esprit de Dieu, incomparable, tu es incomparable, esprit de Dieu, incomparable, et tu es venu à moi, esprit de Dieu, tu viens à moi, et nous disons dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance. Seigneur, tu es ma force. Et nous voulons continuer à le chanter, à le dire tout haut. Dieu, tu es ma force, ma consolation. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Tu es ma force, ma consolation. Et nous devons
instant. Commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin, je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour. Jésus, un jour, va inviter ses disciples à ne pas se réjouir parce que les démons leur étaient soumis et que les malades étaient guéris, mais il leur dira de se réjouir parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et ce matin, nous aussi, nous voulons nous réjouir parce que nous avons l'assurance de notre salut. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. J'ai l'assurance de mon salut.
Jésus. C'est mon histoire. Entendre le conseil de Dieu. Ce que nous pouvons dire à notre Dieu, c'est que nous voulons plus de lui, plus de sa ressemblance, que la parole encore ce matin nous transforme à la ressemblance de Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur ce matin, celui que tu as choisi pour nous parler. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté, Seigneur. Parce que nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur.
enfants, nous disons plus de toi, Seigneur. Joie de vous conduire dans la parole de Dieu ce matin. Et vraiment, je voudrais croire que cette année qui a commencé 2023, eh bien, vous êtes encore plongé dans toute la grâce de notre Dieu. Et qu'au travers de tout ce qui peut se passer dans le monde, vous pouvez réaliser combien un enfant de Dieu est privilégié de savoir qu'il est protégé, de savoir que son Dieu le connaît, son Dieu pourvoit ses besoins. Permettez-moi donc de vous encourager par ces quelques mots de salutation et de vous souhaiter la bienvenue dans ce conseil de Dieu. Ce matin, nous allons aborder un sujet particulier que j'intitule « Les silences de Dieu ». Au travers de la Bible, nous allons voir que Dieu, par moments, se tient en silence et nous allons comprendre au travers de chaque silence quelle est la leçon ou quelles sont les leçons que Dieu voudrait que ses enfants retiennent, lui, quand il ne dit rien. Parce que c'est important. La Bible nous dit dans Job, au chapitre 33, le verset 14, Job 33, 14, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Dieu parle. Est-ce qu'il faut forcément entendre une parole pour réaliser que Dieu est présent, qu'il se manifeste? Eh bien, justement, ce thème, les silences de Dieu, vont nous emmener à considérer que quand Dieu ne parle pas, quand il est en silence, eh bien, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer du silence de Dieu. Alors, je vais vous y conduire au travers de quelques passages bibliques à comprendre certaines choses qui nous sont salutaires pour bien garder notre communion avec Dieu. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans la Genèse, au chapitre 12, le verset 7. Genèse 12, verset 7. Dieu dit à Abraham, Dieu lui dit ceci, l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voici une promesse que Dieu fait à un homme à qui il a demandé de quitter son pays, sa patrie, sa famille et d'aller dans un pays qu'il va lui montrer. Abraham, conduit par Dieu, arrive effectivement dans le pays de Canaan. La Bible nous dit à ce moment-là que Abraham a 75 ans. Cet homme a entendu l'appel de Dieu. Cet homme a répondu à l'appel. Il a marché dans l'obéissance. Et maintenant qu'il est arrivé dans le pays de Canaan, Dieu lui fait cette promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Voilà. La promesse est faite. Et Abraham est en train de se poser des questions. Bien sûr, il a une femme, Saraï, Sarah, mais la Bible nous enseigne que cette femme-là est
stérile. Dieu ne donne aucune explication à Abraham sur la manière dont cette postérité va arriver. Et nous remarquons souvent dans la Bible que Dieu fait des promesses, mais Dieu ne rentre pas dans le détail de la réalisation de la promesse. Donc, Abraham va connaître un temps de silence où il n'aura pas une explication venant de Dieu que cet enfant de la promesse va arriver. Et 10 années vont s'écouler ainsi. Abraham a 85 ans. Dieu ne lui a pas encore parlé de la réalisation de la promesse. Et Sarah, sa femme, qui est stérile, va tenter de lui trouver une solution que nous allons voir tout à l'heure. Dieu apparaît à nouveau à Abraham et lui parle, et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Abraham va dire à Dieu, « Mais comment cela sera-t-il possible ? Parce que je n'ai pas d'enfant. » Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, versets 2 et 3. Abraham va dire à Dieu, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? » Ça veut dire que Dieu ne lui a pas encore donné de réponse, et ça fait 10 ans qu'il attend. « Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je veux faire comprendre que Dieu, c'est vrai, il a fait la promesse, mais il n'a pas dit quand est-ce qu'elle va se réaliser. Il y a un silence de Dieu. Et nous allons tout à l'heure tirer la leçon à quoi ça va correspondre pour le croyant d'être comme cela dans le silence de Dieu. Donc, n'ayant pas d'enfant, Abraham pense légitimement que sa postérité, c'est son serviteur préféré, c'est celui qui lui est fidèle, Éliézer de Damas. Mais Dieu va lui dire non. Dieu va lui dire que cet enfant-là viendra de lui. Et là, le temps passe. Et donc, Saraï, sa femme, va lui faire une proposition qui est valable à l'époque. Nous ne sommes pas à l'époque de la PMA, la procréation assistée ou la procréation pour autrui. Mais voilà déjà à l'époque, quand la femme était stérile, elle donnait sa servante à son mari et l'enfant qui naissait, eh bien, cet enfant-là appartenait à la maîtresse de la maison. Et c'est la solution que Sarah va utiliser. Elle va donner à son mari sa servante Agar. La Bible nous dit qu'un enfant va naître de cette union d'Abraham avec Agar et cet enfant sera Ismaël. Quand Ismaël naît, Abraham a 86 ans. 11 années se sont écoulées. On sait les péripéties, mais comme je suis sur le silence de Dieu, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais Dieu fait comprendre à Abraham que Ismaël n'est pas l'enfant de la postérité. Ce n'est pas cet enfant-là que Dieu destine justement à avoir le pays de la promesse. Et 13 ans après, Abraham a 99 ans. Ça fait 24 années de silence. Dieu va apparaître maintenant à Abraham et va lui parler de la réalisation de la promesse. Abraham a 89 ans. L'Éternel lui apparaît et lui dit, « Je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ta femme, Sarah, sera enceinte. » Waouh. Donc, 24 années durant lesquelles Abraham a attendu quelque chose venant de Dieu. Et cela, Abraham n'a pas compris comment cela allait se réaliser. Et j'ai donné la raison principale, parce que sa femme est stérile. Mais Dieu lui dit maintenant, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et je voudrais dire
à ceux qui entendent cette prédication. Ce que la bouche de l'Éternel dit, son bras est puissant pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il promet, il réalise toujours sa promesse. Dieu ne fait pas des promesses en vain. Dieu est tout puissant. Et là, il va dire maintenant à Abraham, cette promesse va se réaliser l'année prochaine. Eh bien, Sarah va enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Et la Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, le verset 5, Genèse 21, verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac naît. Et tout le monde a compris qu'entre la promesse que je donnerai ce pays à ta postérité et la réalisation de la promesse, 25 années se sont écoulées pendant lesquelles, sauf la dernière année, pendant lesquelles Abraham n'a pas eu d'explication, ne savait pas comment cette promesse-là allait se réaliser parce que Dieu ne lui a pas donné les détails. Et je voudrais encourager ce matin quelqu'un qui a reçu, et je dis bien quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu. Et pour te dire ces deux choses importantes que je vais illustrer dans la vie d'Abraham. Dieu est en silence, mais Dieu n'est pas absent. Dieu est en silence, mais Dieu continue à s'intéresser à toi. Ce n'est pas parce que Dieu est en silence qu'il est absent, ni qu'il porte un désintérêt à ce qu'il a dit. Et je veux l'illustrer avec la vie d'Abraham, parce que c'est très poignant ce qui se passe. Il y a une famine, nous dit la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, et Abraham va descendre en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer en descendant en Égypte? Eh bien, le roi d'Égypte, le Pharaon, va prendre Sarah pour sa femme. Vous imaginez la suite? Alors que dans le plan de Dieu, il y aura l'enfant de la postérité, l'enfant de la promesse, cet enfant-là doit venir dans le plan de Dieu, doit venir d'Abraham et de sa femme Sarah. Voici maintenant Sarah est femme de Pharaon. Si Dieu est absent, si Dieu se désintéressait, ce plan de Dieu serait anéanti. Mais la Bible nous dit que Dieu va frapper l'Égypte de plaies. Et Pharaon va bien comprendre que la femme qu'il a là, il ne devait pas l'avoir. Dieu n'est pas absent. Dieu continue à s'intéresser à nous, même lorsque nous croirons qu'il est dans le silence et qu'il ne nous entend plus, qu'il ne nous voit plus. Alors, Pharaon, étant frappé de ses plaies, va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il prendra conscience qu'il faut qu'il renvoie, qu'il redonne à Pharaon sa femme. Oui, vous allez me dire que Pharaon lui a menti, Pharaon a fait passer sa femme pour sa sœur. Certains vont dire que c'est une demi-vérité, mais tout cela, c'est hors sujet pour ce matin. Ce qui est important, c'est que dans ce moment où il avait perdu sa femme, Dieu n'est pas absent. Vous savez que plus tard, la Bible nous dit que Abraham va descendre dans le pays des Philistins, à Guérar. Et là, Abimélec va prendre Sarah pour sa femme. Et là, Dieu intervient tout de suite et cet homme qui certainement avait la crainte de Dieu reçoit une révélation de la part de Dieu que cette femme-là, elle a un mari. Et Abimélec, qui craint Dieu, appelle Abraham et lui dit, « Pourquoi as-tu voulu me tromper ?» Dieu n'est pas absent. Dieu
continue à s'intéresser à nous, même lorsque nous croirons qu'il est dans le silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire désintérêt de Dieu. C'est important que nous réalisions cela de la part de Dieu. Mais autre chose, et qui me paraît, à mon humble avis, une leçon importante que le croyant doit tirer de ce silence de Dieu, c'est que je dois avoir la foi pour croire que ce que Dieu dit, il le fera. Et si justement, Abraham a eu un enfant de Sarah, c'est parce que la foi d'Abraham a permis à Dieu de l'honorer, parce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, Genèse, chapitre 15, verset 6. Quelle phrase, quel verset important. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voilà une règle de la Bible qui est importante et on le retrouve dans le livre des Hébreux, le chapitre de la foi, le chapitre 11, qui nous dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Abraham eut confiance. Abraham plaça sa foi en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le croyant doit réaliser que quand Dieu lui parle, quand Dieu lui fait une promesse, même si les vents sont contraires, même si les circonstances du moment veulent nous enseigner autre chose que la promesse de Dieu, eh bien, la foi nous permettra de voir la réalisation de la promesse. J'allais dire, c'est comme si le silence de Dieu nous éprouve pour que nous puissions dire à Dieu, même quand tout semble contraire à ce que tu m'as dit, eh bien, j'ai la foi de croire que tu es suffisamment puissant, tu es tout puissant pour accomplir ce que ta bouche dit. Et je ferai juste une petite parenthèse à ce qui est arrivé à Joseph, le fils de Jacob. Alors qu'il avait reçu deux songes qui, à son avis, lui faisaient comprendre qu'il allait dominer sur sa famille, eh bien, quand il a été vendu en Égypte, descendu en Égypte et vendu à Potiphar, mis en prison, il était loin dans la pensée humaine de croire que ce qu'il avait reçu comme révélation de Dieu allait s'accomplir. Dieu, nous dit Daniel, dans son chapitre 2, il est maître des temps et des circonstances. Dieu est suffisamment puissant, il est tout puissant pour renverser les circonstances et faire en sorte que ce qu'il a promis à l'homme puisse se réaliser, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on pourrait se trouver. Et Joseph, la vie de Joseph est un témoignage puissant de la divine direction de Dieu. Lorsque nous restons attachés à Dieu, Dieu est capable de faire ce qu'il promet. Voilà déjà une première leçon que nous tirons du silence de Dieu. Et j'insiste pour dire que c'était un silence précédé d'une promesse. Je vais parler maintenant d'un autre silence de Dieu. Et j'irai dans le livre de Job, au chapitre 10. Job, chapitre 10, verset 2. La Bible me dit dans Job, chapitre 10, verset 2. Voici ce que me dit la Bible. Et c'est Job qui parle. « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Quand Dieu est en silence, l'homme parle à Dieu avec des « pourquoi ?»« Pourquoi me prends-tu à partie ?» Je voudrais encore montrer que Dieu est vraiment en silence en lisant dans cette même pensée, dans Job
chapitre 13, versets 22 à 27. Job 13, verset 22. La Bible dit, et encore c'est Job qui parle, « Puis appelle et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ?» Job ne comprend pas le silence de Dieu, alors il interroge Dieu. « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi ?» Voilà, ça revient. « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ? Veux-tu frapper une feuille agitée ? Veux-tu poursuivre une paille desséchée ? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse ? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas quand mon corps tombe en pourriture, quand un vêtement que dévore, comme un vêtement que dévore la teigne. Pourquoi ? Dieu a laissé une liberté à Satan d'éprouver Job. Cela se passe au ciel. Quand nous lisons Job chapitre 1, chapitre 2, nous voyons que Satan a parcouru la terre et a remarqué qu'il y a un serviteur fidèle à Dieu. Et c'est ce serviteur que Satan va aller devant Dieu pour dire à Dieu, « Ouais, mais s'il est fidèle, oui, s'il te sert, c'est parce que tu lui fais du bien, etc. Prive-le de ses biens et tu verras. » Mais Dieu, lui, dit que Job est un serviteur intègre et droit. Et Dieu permet à Satan d'éprouver Job. Cette décision-là s'est passée dans le ciel. Job est sur la terre et Job ne sait pas que Dieu a permis à Satan de l'éprouver. Et quand on lit le livre de Job, la question principale de ce livre, pourquoi le juste souffre-t-il? Tout le monde a compris que l'on peut subir les conséquences de ses péchés. Et d'ailleurs, les trois amis de Job ont finalement comme seul argument, bien qu'ils le nuancent d'une manière ou d'une autre, mais l'argument principal des trois amis de Job, c'est que si tu souffres, c'est que tu as péché. Voici la logique. Mais il y a une phrase de la Bible que Job prononce qui devrait nous faire comprendre pourquoi cet homme peut aller dire à Dieu, et je trouve ça audacieux, « Si tu me permettais de plaider ma cause devant toi, je te dirais, j'ai raison. » Quel autre homme de la Bible avez-vous vu parler comme ça à Dieu? C'est que Job était un homme, et Dieu lui-même donne cette appréciation. Job est un homme intègre et droit. Dieu connaissait son serviteur. Et c'est ce verset de la Bible me fait comprendre quelque chose. Job dit dans le chapitre 3, le verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme pieux savait très bien que s'il désobéissait à Dieu, il subirait les conséquences. C'est un homme conscient. Donc, il ne peut pas comprendre. Alors qu'il a passé toute sa vie à chercher à plaire à Dieu, il ne peut pas comprendre qu'il est dans cette situation. Et quand on lit le livre de Job, quand on écoute Job parler, au fond, sa conscience ne lui reproche rien du tout. Alors, pourquoi Dieu permet-il que le juste soit frappé? Et c'est la grande interrogation. Dieu reste en silence. On est surpris quand on lit le livre. Il y a 42 chapitres dans le livre, mais Dieu ne commence à parler qu'au chapitre 38.
Dieu ne commence à parler qu'au chapitre 38. Alors que tout le chapitre précédent, on a eu les monologues de Job, on a Job qui répondait à ses amis, ses trois amis, et puis on a même eu un plus sage, Élihu, qui est venu pour expliquer un peu mieux les choses. Mais tout cela n'a pas emmené Job à comprendre pourquoi il souffre. Dieu est resté dans le silence. J'ai lu quelque chose, je ne vais pas donner une caution à cela réellement parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais certains prétendent que les souffrances de Job là ont duré environ 40 années. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. En tout cas, ces souffrances ont duré un certain temps. Dieu est resté dans le silence pendant un certain temps. Et maintenant, Dieu rentre en scène. Eh bien voilà, je vais te parler et tu vas me répondre. Et Dieu parle à Job de la création, il parle de certains animaux, le crocodile, il parle de Léviathan, il parle d'animaux pour dire l'hippopotame, pour dire à Job, ces animaux de terreur, ces animaux que tu vois là, que personne ne peut dompter, c'est moi qui les ai créés. Et Dieu invite Job, il lui pose des questions puisque Job était en train d'interroger Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui l'interroge. Dieu le questionne et lui dit maintenant, réponds-moi. Toi qui le sage, toi qui as beaucoup à argumenter, toi qui vraiment a plaidé alors que je n'étais pas devant toi, maintenant je suis là, je te parle, réponds-moi. Et Job va rester dans le silence. Laisser l'Éternel lui parler. Alors que c'est Dieu qui était dans le silence, alors qu'il a beaucoup parlé et que Dieu maintenant est en train de lui parler, il va rester dans le silence. Et il va nous dire à la fin, quand Dieu a fini de lui parler, il va nous dire dans Job chapitre 42, versets 1 à 6, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est une phrase de Dieu que Job reprend. Et lui, il dit maintenant, il répond à Dieu, « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Il reprend encore, une phrase de Dieu, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » C'est Dieu qui lui avait parlé comme ça dans les chapitres précédents et lui reprend cette phrase de Dieu. Et là, il va à sa conclusion, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le silence de Dieu a servi à quoi? Le silence de Dieu nous permet de comprendre les limites de l'homme, la compréhension de l'homme des choses qui lui arrivent. L'homme est un être fini, Dieu est un être infini. L'homme ne peut comprendre les choses que sur le plan humain s'il n'a pas reçu de révélation de Dieu. Et c'est Moïse qui écrit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, le verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont aux enfants de Dieu. » Dieu n'a pas révélé à Job pourquoi il allait souffrir. Mais Dieu savait l'issue de cette souffrance. Dieu savait que Job, et il a témoigné avant même qu'il permette à Satan de l'éprouver, il a donné ce témoignage, c'est un homme intègre et droit. Alors, ce silence de Dieu va permettre à Job de nous donner deux leçons. La première, et j'invite tout croyant à accepter cette leçon-là, il faut accepter, même quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, mais il faut accepter ce qui nous arrive.
Parce que rien n'arrive que Dieu ne le permet. Et je crois que c'est la Bible qui le dit. Donc, si cela m'arrive, c'est que Dieu l'a permis. Donc, je dois accepter de ne pas tout comprendre de Dieu. Je peux poser des questions à Dieu, mais Dieu peut rester dans le silence parce qu'il est en train de m'emmener quelque part que je ne comprends pas où lui veut m'emmener, mais lui, comme il sait où il veut m'emmener, je dois lui faire confiance. La deuxième leçon, et qui est comme un corollaire de la première, il faut accepter la souveraineté de Dieu sur ma vie. Je dois accepter. Dieu est souverain. S'il me traite de cette manière-là, s'il permet, parce que c'est lui qui a permis que Satan éprouve Job. Mais si Dieu le permet, c'est que Dieu sait l'issue. Dieu sait comment ça va se terminer. Le silence de Dieu, là encore, et c'est très important par rapport au premier silence que nous avons vu avec Abraham. Le silence de Dieu avec Abraham était précédé d'une promesse. Donc, la foi d'Abraham était éprouvée pour que Dieu se rend bien compte que Abraham croit en lui. La foi est placée en Dieu. Dans ce silence de Dieu, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune promesse. Donc, ce silence de Dieu est différent du premier silence. Aucune explication, aucune promesse. Job est livré à lui-même et c'est son raisonnement humain qui est en marche. Il n'a pas la pensée de Dieu pour dire « ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui a permis à Satan de me tenter ». Il n'a pas cette révélation. C'est à la fin qu'il dit « j'ai parlé sans les comprendre, des choses qui me dépassent et que je ne conçois pas ». Que le croyant que nous sommes, que nous soyons remplis d'humilité pour accepter que ce Dieu souverain, il peut faire comme il veut dans notre vie et nous emmener dans des déserts ou dans des chemins que nous n'avions peut-être pas fréquentés précédemment, mais que lui sait. Quand il nous emmènera dans ce chemin, il fera grandir notre foi parce que nous accepterons de réaliser qu'on peut ne pas tout comprendre, mais que Dieu qui est souverain, il sait, lui, comment nous sortir de cette situation. J'aime bien cette version de la Bible qui parle dans Romains 8, « Dieu fait concourir toutes choses bonnes pour ceux qu'il aime. » Dieu a la possibilité, alors que nous pourrions nous trouver dans une situation où nous ne comprenons rien, et nous sommes dans des « pourquoi, 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 pourquoi ?» Si nous lui faisons confiance, si nous croyons qu'il est souverain, si nous croyons que ce Dieu-là, il ne peut faire le mal, j'insiste, Dieu ne peut faire le mal, ce n'est pas dans sa nature. Et j'aime beaucoup ces versets que nous trouvons dans la Bible. « Si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Dieu est bon, sa nature c'est la bonté. Donc, même si quelque chose de mal nous arrivait, restons dans cette soumission à Dieu et réalisons qu'il est souverain et que nous lui devons obéissance. J'ai parlé d'un troisième silence de Dieu. Un silence qui est dans un autre cadre. Dans 1 Samuel, chapitre 28, 1 Samuel, chapitre 28, versets 4 à 7. 1 Samuel 28, versets 4 à 7. Je lis. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et lisons la suite. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » On s'arrête là.
Saül, le premier roi d'Israël, va consulter l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. L'Éternel va rester en silence. Voilà un silence de Dieu qui est facile à comprendre. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à Saül? Nous avons dans la Bible l'explication. Précédemment, la Bible nous montre que Saül a désobéi déjà à deux reprises à l'Éternel. Et nous connaissons les textes, je ne vais pas les lire entièrement, mais alors que Dieu lui avait dit de tout dévorer par interdit, Saül a gardé les meilleures bêtes. Saül n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Saül veut s'excuser, argumenter devant Samuel, le prophète, mais Dieu, par la bouche du prophète, va dire à Samuel, à Job, oh, à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, Samuel va dire à Saül, 1 Samuel 15 verset 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et puisque Saül n'a pas obéi à Dieu, eh bien, Dieu l'a rejeté. Et alors que Samuel est en train d'intercéder, de prier, Dieu lui dit, ça va. Arrête de pleurer devant moi, je l'ai rejeté. À cause de la désobéissance de Saül, Dieu maintenant ne veut plus lui répondre. Dieu ne veut plus lui parler. Dieu ne veut plus avoir affaire à lui. Nous avons lu, Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point. J'ai trouvé dans la Bible beaucoup de versets où nous avons des passages qui nous enseignent que quand nous désobéissons à Dieu, Dieu peut, lui, se détourner de nous. Ils m'invoqueront et moi, je ne leur répondrai pas, dit l'Éternel. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages où Israël est dans l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Vous réalisez dans les 10 commandements, premier commandement, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez point d'image taillée, etc. Mais le peuple d'Israël est un peuple qui est versé dans l'idolâtrie. Et à cause de l'idolâtrie, Dieu s'est tenu dans le silence. Dieu ne répondait pas à certains moments. On allait consulter Dieu, mais Dieu ne répondait pas parce que le peuple vivait dans la désobéissance. Alors, ce qui est facile à comprendre, c'est que Dieu n'approuve pas ceux qui volontairement prennent le chemin de la désobéissance. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est fort, cela. Et donc, Dieu peut nous laisser pour que nous soyons, j'allais dire peut-être, amenés à revenir à lui. Le malheur ici, c'est que Saül va dire, puisque l'Éternel ne me répond pas, je vais consulter une magicienne. Combien disent que Dieu ne va pas assez vite et que le diable va plus vite? Mais il va plus vite pour vous emmener où? Mon frère, ma sœur, si Dieu ne te répond pas à cause de ton péché, à cause de ta désobéissance, il faut que tu lises dans l'Apocalypse les lettres écrites aux 7 églises. Et tu verras que Dieu dit, reviens où tu as péché et repens-toi. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il nous le dit dans sa parole, dans Ézéchiel 18. C'est pas qu'il veut, il ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il change de voie et qu'il vive. Donc quand Dieu ne répond pas,
C'est pour justement nous amener à prendre conscience que nous sommes égarés, que nous sommes loin de Dieu et qu'il faut revenir. Mais si nous persistons, nous résistons, nous raidissons le coup, comment voulez-vous que nous puissions nous approcher de Dieu dans l'idolâtrie, dans la désobéissance? C'est l'apôtre Jacques qui, dans son épître, dit « Si vous vous approchez de Dieu, lui, il s'approchera de vous. » Mais il nous montre que nous devons quitter l'iniquité, quitter le péché pour nous approcher de Dieu. Et ce matin, c'est cette leçon-là que nous voulons admettre, que la Bible nous parle du silence de Dieu à cause de la désobéissance, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de revenir là où nous sommes tombés, de demander pardon à Dieu, de confesser le péché pour pouvoir retrouver cette communion, parce que Dieu aime ses enfants. Là, peut-être, il ne nous aime pas d'un amour d'approbation, mais sa miséricorde et sa compassion pour nous peut faire qu'il va emmener notre cœur à trouver un autre changement, à trouver vraiment un état de regret, d'humiliation, pour que nous puissions revenir à lui. Et mon frère, ma sœur, si Dieu était en silence, si ta communion à Dieu, avec Dieu, eh bien, tu sens que ça ne va plus, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est le résultat d'une désobéissance, d'une volonté connue de toi d'avoir pris un mauvais chemin? Alors, reviens au Seigneur qui te pardonnera et ce silence s'arrêtera certainement parce que Dieu aime ses enfants. Je voudrais parler d'un quatrième silence de Dieu. Et ce silence-là, il est relatif à un moment particulier de la vie de son fils bien-aimé Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, le verset 46, Matthieu 27, verset 46. La scène, Jésus est crucifié. Jésus est sur le mont Golgotha, il est cloué sur la croix. Et là, Jésus va ouvrir la bouche et prononcer cette phrase, donc Matthieu 27, verset 46. Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu, alors que Jésus, le Fils de Dieu, a toujours eu cette communion avec Dieu et toujours en relation avec son Père, voici là, à ce moment précis, Dieu est dans le silence. Le prophète David, le roi David, qui était ce chant agréable à l'Éternel et qui est aussi prophète, parce que quand on lit tous les psaumes de David et qu'on voit toutes les prophéties de David, des prophéties concernant le Messie, je voudrais vous lire dans le psaume 22, psaume 22, versets 2 et 3. Vous allez voir comment David a prophétisé des choses concernant le Messie. Et tout le psaume 22 est intéressant à lire parce que c'est une prophétie des souffrances et de la gloire du Christ. Mais je ne lis que deux versets, versets 2 et 3. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les paroles que David disait des siècles avant, ben, se sont accomplies là, maintenant, à la crucifixion de Jésus. Jésus reprend ces mêmes paroles. Donc, on comprend le sens des paroles prophétiques. « Mon Dieu, je reviens, psaume 22, versets 2 et 3, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Dieu, ce silence de Dieu à l'égard de son fils, David l'a prophétisé. Au fait, quelqu'un va me dire, mais comment se fait-il que Dieu à deux reprises ait fait entendre sa voix? Lorsque Jésus s'est fait baptiser,
une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, nous dit la Bible dans les évangiles, les apôtres sont là, ils sont trois à être avec Jésus, et là, ils entendent encore cette parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors quelqu'un pourrait me dire, comment Dieu qui dit qu'il a mis toute son affection dans son fils, et comment là sur la croix, son propre fils lui dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La réponse, on peut la simplifier de la manière suivante. Dieu n'a jamais cessé d'aimer son fils. Mais juste un moment de la vie de Jésus, la Bible nous dit, Paul le dit dans Corinthiens, il s'est fait péché pour nous. Il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Juste à ce moment-là où Jésus est crucifié, il est crucifié pour porter les péchés des hommes. Voici, a dit Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Cet agneau de Dieu, il est immolé, il est cloué sur le bois de la croix. À ce moment précis, Dieu, qui ne peut être en contact avec le péché à cause de sa sainteté, Dieu ne peut pas être dans cette communion avec Jésus. Nous n'oublions pas que dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus va dire « Voilà, mon heure est arrivée », Jésus va prier dans le jardin de Gethsémané et il dit à son Père à trois reprises dans sa prière, « mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus signifiait par là, à nous croyants, que pour que la justice de Dieu soit vraiment accomplie, il fallait qu'un juste meure pour que les pécheurs soient pardonnés. La colère, cette coupe, c'est la colère de Dieu contre le péché. Dieu ne peut supporter le péché. Il aime le pécheur, mais il ne supporte pas le péché. Il fallait qu'un juste meure. Et quand Jésus est cloué sur la croix, Jésus porte à ce moment-là les péchés de tous les hommes. Et c'est pourquoi sa communion avec Dieu est momentanément interrompue. Mais Jésus sait. Et il le dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17. « Je t'ai glorifié sur la terre. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. » Jésus savait qu'il allait mourir. Il l'a beaucoup annoncé. « On fera souffrir le Fils de l'homme. On le fera mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Il fallait, mon ami, que Jésus passe par la croix. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu l'a désapprouvé. Le silence de Dieu veut dire ici que Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il est fils de Dieu éternellement, mais qu'à un moment de sa vie, il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu sur la terre en tant qu'homme, fils de Dieu, mais en tant qu'homme, pour régler le problème de la justice de Dieu, pour qu'un juste meure, afin que les pécheurs soient pardonnés. La Bible nous dit que Jésus s'est donné en rançon pour les pécheurs. Donc, il fallait qu'il meure. C'était nécessaire, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et seul un juste pouvait permettre aux hommes d'obtenir le pardon de leurs péchés. C'est pour cela que ce silence de Dieu ne veut pas dire ici désapprobation, mais ce silence de Dieu veut dire « Je te laisserai aller jusqu'au bout de la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre. » Et Jésus savait qu'il fallait qu'il meure. Il savait que c'était le seul moyen que Dieu avait choisi pour réconcilier l'homme avec lui. Donc, il a parfaitement accepter le silence de Dieu, parce que quand on lit les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et même quand on va lire Jean et qu'on compare les scènes et les sept paroles de Jésus sur la croix, la septième parole qu'il a prononcée sur la croix, tout
t'est accompli. Donc, ça veut bien dire que cet homme, Jésus, avait une mission particulière. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il sait très bien que ce silence de Dieu correspondait à ce moment précis où il porte les péchés des hommes. Et il peut dire, comme dernière parole, tout est accompli. Ça veut dire maintenant, je vais mourir. Et il dit à son père, je remets mon esprit entre tes mains. Il va mourir, mais il sait la suite. Il sait que Dieu va le ressusciter. Le silence de Dieu n'est pas un silence désapprobateur. C'est un silence pour permettre maintenant à cet homme, fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, d'aller jusqu'au bout et d'accomplir sa mission. Vous me permettrez de vous dire qu'il y a des moments de la vie où Dieu nous parle et il reste dans le silence pour voir si nous sommes fidèles pour accomplir la mission. Et je voudrais parler maintenant à des hommes de Dieu, des hommes qui entendent l'appel de Dieu. Dieu va t'appeler, tu ne vas pas comprendre. Il va t'appeler à nouveau, de manière que tu puisses maintenant être saisi dans ton intelligence, dans tes émotions, dans ta conscience, que c'est bien lui qui t'appelle. Mais il restera dans le silence pour voir si tu es prêt à te lever, si tu es prêt à marcher dans l'obéissance. Et ce silence de Dieu, on doit pouvoir le comprendre, que quand Dieu nous parle de manière précise, Dieu s'attend aussi que nous nous mettions en route pour accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Et je voudrais inviter quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu, quelqu'un qui entend Dieu lui parler, quelqu'un qui sait que Dieu a donné une direction à sa vie. Si Dieu reste dans le silence, c'est que Dieu veut voir vraiment si tu as ce cœur pour répondre à son appel. C'est vrai que quelquefois, on a envie de répondre vite. Moïse a tellement été convaincu, nous dit Étienne, dans le livre des Actes, au chapitre 7, il a été tellement convaincu qu'il est appelé, qu'il a étranglé l'Égyptien. Mais quand il est parti en formation, 40 années dans le désert, il revient et là, il voit le buisson ardent, Dieu l'appelle, et là, il n'est pas prêt. Et oui, mon ami, toi qui es appelé, comprends. Et si Dieu reste dans le silence, mais Dieu veut voir quelle est ta disposition de cœur et si tu es prêt à répondre à cet appel. Je voudrais terminer ce silence, ce message sur le silence de Dieu en faisant deux remarques. Deux remarques importantes. La première, je vais lire pour vous 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Verset 4. 1 Samuel 3, verset 4. La Bible nous dit, « Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici, et il courut vers Élie. » Bon, ça se répète à 3 reprises. Dieu appelle Samuel, et Samuel court vers Élie. Et pourquoi cela? Parce que Samuel n'est pas habitué à entendre la voix de l'Éternel. La communion avec Dieu, c'est un début, c'est un commencement et c'est une suite. Au début, quand on devient enfant de Dieu, quand on prie Dieu, quand on lit la Bible, quand on recherche la volonté de Dieu, on n'est pas habitué à entendre la voix de Dieu. Mais Dieu nous parle. Et vous connaissez la suite, j'accélère un petit peu sur Samuel. Et Élie va lui dire la 3e fois, « Eh bien, retourne te coucher, et si tu entends cette voix, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Donc, il y a un apprentissage pour comprendre et discerner la voix de Dieu. Et Samuel y arrive grâce à Dieu. Et ce qui est frappant dans le livre de Samuel, il est dit dans certains chapitres, au début, la parole de l'Éternel était adressée à Samuel. Mais si vous lisez quelques chapitres suivants, il est dit,
la parole de Samuel s'adressait à Israël. La communion entre l'Éternel et Samuel était tellement forte que Samuel savait entendre la voix de l'Éternel. Et ce grand prophète a fait des choses extraordinaires que je n'ai pas développées ce matin, mais ça veut dire, mon frère, ma sœur, et voici la leçon et ma remarque. Si tu ne crois pas, si tu ne sais pas entendre Dieu te parler, mais il ne faut pas croire pour autant que Dieu est dans le silence. C'est toi qui ne sais pas entendre sa voix. Et cela nécessite que tu fasses un exercice spirituel, que tu t'habitues quand tu pries Dieu à lui parler, mais aussi à te taire pour l'entendre te parler. Et c'est ça le problème de notre siècle. On n'a pas le temps, on est pressé. Je vous raconte cette anecdote, c'est un pasteur qui prie Dieu. Souvent, il prie Dieu, mais comme il a les occupations du ministère, quand il a fini de prier Dieu, il s'en va. Et un jour, il a un songe. Et un ange l'emmène au ciel. Il est en train de se promener au ciel, et partout, il voit des colis, des cadeaux, et il y a son nom sur le cadeau. Alors, il est intrigué. Et il demande à l'ange, mais pourquoi il y a mon nom? 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 Et l'ange lui répond, chaque fois que tu priais Dieu, Dieu te répondait, mais toi, comme tu te levais et tu étais pressé, tu n'entendais pas la voix de Dieu. Tu croyais que Dieu était dans le silence, mais tu ne mettais pas le temps pour écouter Dieu. Et beaucoup de croyants prient comme cela. On parle à Dieu, on parle à Dieu, on parle à Dieu, et puis hop, on s'en va. Non, tu dois prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, comme Élie l'a dit à Samuel, parle, ton serviteur écoute. Je t'ai prié, Seigneur, je t'ai demandé, fais-moi connaître ta voix, fais-moi connaître. Et c'est ça que le croyant, il ne prend pas le temps. Dieu n'est pas en silence aussi long. Beaucoup croient que Dieu ne parle pas. Il y a même des gens qui vous disent, je vais à la réunion pour entendre Dieu me parler. Je vais ouvrir la radio pour que Dieu me parle. Je vais demander à un frère. Non, Dieu peut te parler à toi. Change ta façon de te tenir dans la présence de Dieu. Va déjà avec un cœur que tu pries Dieu, que tu lui adresses des prières et que Dieu va te répondre. C'est la première remarque pour qu'on ne dise pas que Dieu est en silence alors que Dieu est en train de parler. Ma deuxième remarque est la suivante. Deutéronome, chapitre 3, verset 26. Deutéronome 3, verset 26. Je vous lis. Mais l'Éternel, c'est Moïse qui parle. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Vous savez que Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher, que Moïse, dans son irritation, a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, à cause de ta désobéissance, tu ne rentreras pas dans le pays promis. C'est vrai, Moïse l'a entendu, mais Moïse voulait demander à Dieu de changer sa réponse. Dieu a parlé. Et si nous prions pour lui demander la même chose alors qu'il nous a dit non, nous allons dire que Dieu est en silence. Mais ce n'est pas qu'il est dans le silence. C'est qu'il a déjà répondu et qu'on ne va pas le faire changer d'avis. Il a déjà donné son avis. C'est assez. Ne me parle plus. Ça veut dire que tu pourrais encore continuer à crier, à demander. J'ai déjà répondu. Et il faut qu'on fasse attention parce qu'on peut perdre la foi comme cela. Beaucoup croient que Dieu doit toujours dire oui. Et on considère que quand on nous dit non, ce n'est pas une réponse. Je veux, j'ai demandé, Dieu doit répondre. Mon ami, mon frère, ma soeur, c'est non. Dieu, sa volonté est souveraine. Moïse a demandé à nouveau, « Permets que je rentre dans le pays. » Dieu lui a dit non. Vous savez que dans la Bible nous instruit que Dieu ne dit pas toujours oui.
David a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a fait tuer Uri et voici que l'enfant de l'adultère est né. L'enfant est malade et David va jeûner, va prier, va crier à Dieu pour que l'enfant vive. Surprise ? Ou surprise, je ne sais pas. L'enfant lui avait déjà, Dieu lui avait déjà dit que l'enfant, le prophète lui avait dit, hein, l'enfant mourra. Mais lui, il a cherché autre chose. L'enfant est mort. C'est bon de comprendre que Dieu est souverain. Paul est frappé d'une écharpe dans la chair et là, il souffre tellement de cela qu'il a envie d'être libéré pour que son ministère il puisse le faire librement, plus librement. Mais Dieu lui dit, mais non, si je t'enlève cette écharpe, tu vas t'enorgueillir. Ma grâce te suffit. Mes frères, mes sœurs, si Dieu t'a donné une réponse, ne cherche pas à l'influencer comme si tu pourrais l'influencer pour qu'il change sa réponse. Accepte sa souveraineté et crois en lui. Et je termine en vous disant ceci dans Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe 55, versets 8 et 9, la Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, je me permettrai de vous dire simplement, la grâce de Dieu dépasse de loin la compréhension humaine. Mes voix, mes pensées, les pensées de Dieu sont loin de nos pensées. L'homme doit reconnaître la souveraineté de Dieu et prier pour qu'il apprenne à connaître ses voies. Permettez-moi de prier un instant avec vous et de vous dire de continuer dans votre méditation sur ce silence de Dieu et d'interroger Dieu quand vous ne comprenez pas. Il est toujours prêt à répondre. Il ne va pas répondre à un silence par un silence, il va répondre de manière précise, mais à toi de discerner sa voix et de comprendre que l'Éternel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, en cet instant. Ta parole est là pour nous instruire et nous montrer qui tu es, nous montrer ta souveraineté, ta toute-puissance, ton amour pour les hommes. Tu es toujours à notre écoute et tu veux nous donner ce qui est meilleur pour nous. Nous ne voulons pas nous tromper sur ta personne. Tu es un Dieu d'amour. Tu ne fais que le bien. Le mal ne peut s'attacher à toi. Ô Seigneur Dieu, pardonne-nous les fois où nous avons douté, les fois où nous avons été confus. Mais nous voulons croire ce matin que chaque fois, ô Dieu, que tu te manifestes d'une manière ou d'une autre, tu le fais dans le but de nous faire grandir, dans le but de nous faire te connaître encore davantage et de mieux te servir. Seigneur, entends nos cris maintenant. Entends nos prières qui s'élève vers toi pour te demander ta grâce, de nous ouvrir encore davantage l'intelligence pour que nous puissions encore mieux te connaître et que notre communion avec toi soit encore, Seigneur Dieu, meilleure. Béni sois-tu pour ta parole, qu'elle continue à nous enseigner, à nous former, à nous instruire et à mieux te servir. C'est là notre prière, Père, au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je l'entends, oui, je comprends, oh, je comprends qu'il a payé, qu'il a payé pour ma liberté, pour ma. Je te vois, Seigneur. Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Parle-nous ce matin, Jésus. Mets ta voix dans mon cœur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Toujours. Jésus. Et ta vie à chaque heure. Oui, Jésus. Coule comme un torrent. Si je me oui, Seigneur.
Je veux apprendre, Seigneur, à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends. Merci Jésus. Qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je te vois. Je veux te voir, Seigneur, ce matin, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oui, Seigneur. Parle-nous encore, Jésus. Et ta voix dans mon cœur. Oh, Papa. Toujours ta main et ta vie à chaque heure coule comme quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, ouvre-lui ton cœur ce matin. Je te vois, il veut te parler. Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Seigneur, coule. Coule sur nous. Coule sur ton peuple ce matin. Coule comme un torrent. Que ta vie coule, Seigneur. Coule comme un torrent. Une dernière fois, coule, Seigneur. Coule comme un torrent. Jésus. Coule comme un torrent. Merci Seigneur.